Bonjour, je suis Elisabeth Guillema, je suis vice-présidente exécutive chez Havas Paris et je suis en charge de l'offre publicitaire donc sous Havas Paris 7. Je pense que ce sont des femmes qui essayent d'aller au bout de la démarche pour rendre audible un sujet. C'est ce qui fait la richesse du métier, c'est-à-dire que je pense que de toute façon on a un métier qui est collectif et que c'est cette diversité qui crée des courts-circuits intéressants. Et je pense qu'effectivement une femme, de par la manière dont elle vit, dont elle appréhende elle-même en tant qu'individu, en tant que consommateur, va avoir des points de vue certainement différents sur des problématiques. Donc en fait ça ne s'oppose pas, pour moi ça se complète. Je pense qu'il n'y a pas une créativité féminine, je pense qu'il y a de fait obligatoirement, à partir d'un insight qui est le même, quand même il y a un prisme qui fait qu'on peut avoir un point de vue, nous, sur la société, sur la manière dont vivent les gens, un peu différemment, qui va peut-être encore plus profondément dans l'insight et dans la vie des gens. Je pense que c'est un féminisme qui n'est pas isolé, qui est celui d'arriver à d'intégrer le rôle des femmes dans une société multiple, internationale et qui accepte aujourd'hui tout ce qui fait pas sa diversité parce que je nous pose pas comme des minorités, mais comme une richesse de société qui doit être prise dans son ensemble. Ah oui. Oui, obligatoirement. Le fait d'avoir le pouvoir sur le fait de faire les choses, le pouvoir des idées, le pouvoir de l'action, c'est le principe même des gens qui ont envie de faire passer des idées, qui ont envie de faire changer des choses. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, je pense que c'est les mêmes leviers. Après, l'utilisation du pouvoir et la satisfaction personnelle qu'on peut avoir du pouvoir, je pense qu'elle est utilisée différemment chez les hommes que chez les femmes. Oser, il faut juste qu'elles se disent que la place qu'elles ont, elles la méritent et qu'elles ont juste besoin de temps en temps de s'imposer un peu plus.